pas tout à fait spécialiste ou qui ne suis pas à la fête, c'est un petit pays, hein, c'est 185 km² pour 23 millions d'habitants à peu près. Ce pays qui a été créé après la Première Guerre mondiale, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'entre les deux guerres aussi, une partie de la Syrie a été cédée à la Turquie pour que la Turquie ne s'arrange pas à côté d'Hitler. Ces frontières qui ont été imposées n'ont jamais pris en considération les limites, les limites, si je peux dire, des communautés ou ne correspondent pas en tout cas à la configuration ethnographique de ce pays, seulement par le rapport de force entre les puissances. À l'époque, la France était une puissance mandataire en Syrie, et puis avec la Turquie qui était mise en échec, en défaite, et son territoire a été démembré donc suite à la Première Guerre mondiale. La Syrie, donc, c'est une société très plurielle, c'est au niveau ethnique, au niveau confessionnel. Il y a à peu près, on va dire, entre 15 ou 20% des Alaouites, il y a à peu près 5% druzes au niveau confessionnel. Il y a à peu près 1% des Ismaéliens. Actuellement, il y a à peu près 7 ou 8% des chrétiens, il y a à peu près 15% kurdes, et puis il y a d'autres minorités, comme les yézidis, comme d'autres confessions, qui sont au niveau de nombre, sont un peu moins importantes numériquement. Alors d'ailleurs, lorsqu'on dit minorité, je pense, j'espère que vous n'allez pas prendre dans le sens mineur et majeur, parce que certains politologues aussi, ils font cette comparaison, on dit voilà, c'est qu'il est mineur, c'est aussi pourquoi ne pas dire qu'il est mineur, parce qu'il n'a pas l'autorité, il n'exerce pas l'autorité sur son territoire ou bien au sein de la communauté, ça peut être comparé à un mineur qui n'a pas atteint à la majorité équivalent de l'exercice de souveraineté. Alors donc, c'est cet état issu de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France s'est retirée de la Syrie, la configuration un peu confessionnelle, c'était un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il y avait à peu près 20% quand même de la population, elle était de confession chrétienne, mais une grande partie des citoyens syriens de confession chrétienne ont immigré. La particularité de l'État, si je peux dire, de l'État syrien, pendant le mandat français, il y avait une sorte d'un système décentralisé. Après, lorsque la France s'est retirée et il a confié le sort de tous les territoires et les communautés syriennes à une élite plutôt pan-islamiste et pan-arabe, cette élite pan-arabe et pan-islamiste, ils ont procédé à une centralisation des pouvoirs, concentralisation de pouvoirs. Donc, ils ont supprimé l'autonomie des autres régions, tout ça, ils ont procédé avec une main forte, et surtout les militaires, bien sûr. Les militaires, d'ailleurs, l'État syrien, il est né par les militaires, parce que sous le mandat, c'était l'armée française, et surtout le service de renseignement militaire qui était chargé de gérer ce pays, bien que l'administration l'était confiée aux Syriens, à l'élite syrienne. Et puis, donc, après aussi, après le retrait des Français, toujours, ce sont les militaires qui gèrent, c'est toujours qu'ils ont le dernier mot. Et celui qui dit que la Syrie a vécu une démocratie depuis le retrait des Français, c'est archi faux. En tout cas, c'est ce qui est une politique de ségrégation, de discrimination systématique a été menée contre les Kurdes. Notamment, un plan de 12 points, 1963, a été mis en place donc, pour exproprier les Kurdes, retirer la nationalité, ne pas donner les permis de construire pour les Kurdes, et essayer de mener une politique d'obscurantisme et appauvrir les Kurdes pour que le Kurde soit prêt à quitter le pays à n'importe quel moment et ainsi arabiser tous les noms des villages, tout ça. Alors, les Kurdes en 2004 sont révoltés, mais comme j'ai dit, malheureusement, bien qu'il y avait des personnalités démocratiques, il y avait
des partis politiques démocrates aussi, mais ils étaient faibles, ils n'étaient pas en mesure de généraliser cette révolte et de transformer cette révolte en une sorte de révolution contre le régime, ou au moins obliger le régime à céder un peu devant la volonté populaire. Alors les Kurdes sont restés tout seuls devant cet appareil de la répression, et il y a eu une quarantaine de morts, il y a eu des milliers d'arrestations, et surtout alors les relations de M. Bachar al-Assad avec M. Erdogan et Davutoğlu se sont améliorées. À ce moment-là, la vie elle est devenue presque la mer pour tous les militants politiques kurdes. Alors, lorsque le mouvement de la contestation s'est déclenché au mois de mars 2011, le parti que je représente, c'est Parti de l'Union démocratique, ni de référence nationaliste ni confessionnelle, mais c'est vrai, la majorité écrasante de nos militants et de notre population, c'est kurde parce que nous, on est installés dans une région à majorité kurde. Donc, le parti que je représente avait 1550 militants dans les prisons et surtout à la demande de l'état-major turc. Mais lorsque le gouvernement turc voulait installer à la place de Bachar al-Assad les frères musulmans, Bachar al-Assad n'a pas voulu, il s'est rendu compte que Bachar al-Assad était une dictature. Il a oublié, lorsque il demandait à Bachar al-Assad d'arrêter tous les démocrates et surtout les militants du Parti de l'Union démocratique. Et donc, ce que nous avons fait avec nos partenaires, avec ce qu'on appelle l'opposition classique ou traditionnelle, les personnalités et les partis politiques qui toujours luttaient pour un État démocratique en Syrie, et puis aussi pour une solution démocratique pour les Kurdes, quel que soit leur poids, nous avons créé ensemble le comité de coordination nationale pour le changement démocratique pour encadrer le mouvement de la contestation et transformer et traduire ces actions en actions politiques pour négocier avec le régime et pour faire la pression sur le régime, pour que ce régime quand même cède devant la volonté populaire. En ce qui concerne les régions à majorité kurde, nous avons choisi ne pas, bien sûr conforme à la ligne de comité de coordination nationale pour le changement démocratique, ni avec la dictature, dont on a souffert beaucoup plus que les autres, et ni bien sûr avec ces mouvements racistes, sectaires, fondamentalistes, qui veulent mettre en difficulté et puis et surtout provoquer les conflits intercommunautaires dans notre région. Les régions à majorité kurde, c'est vrai, les Kurdes, bien sûr, majoritairement, mais il y a des Arabes, il y a des Arméniens, il y a des Syriaques, il y a des Kaliens, il y a des Tchétchènes, voire une toute petite minorité turcomène. Au niveau confessionnel, déjà les Kurdes, il y a des Sunnites, il y a des Alevites, il y a des Chiites, et il y a des Yézidis. Alors, sans parler des autres confessions chrétiennes, il y a 18 chrétiens dans cette région en majorité kurde. Et en plus, comme j'ai dit, il y a des Yézidis. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse accepter de travailler avec des mouvements sectaires et racistes pour cette société? Nous avons pris une stratégie de l'autodéfense. Ça veut dire de protéger notre population, parce que je dis population avec la pluralité ethnico-confessionnelle, et puis d'éviter de laisser faire de notre région comme un champ de bataille pour préserver l'infrastructure et surtout le tissu social dans notre région. Alors lorsque l'occasion s'est présentée, le régime était affaibli, on a vu que les intégristes ou les fondamentalistes allaient prendre le contrôle de nos villes et nos communes. Nous avons pu prendre le contrôle de ces villes. Nous avons mis en place une administration participative en quelque sorte, parce que toutes les communautés participent dans cette administration, par exemple l'administration
de Jaziré, le chef d'administration, c'est un cuir, son adjoint arabe, l'autre adjoint, c'est une femme syriaque. Le gouverneur, c'est un arabe, co-gouverneur, bien sûr, le co-gouverneur arabe, co-gouverneur, une femme kurde. Et ainsi de suite, les trois langues sont pratiquées, l'arabe, le kurde, le syriaque. Le quota pour les femmes, nous avons vu les statistiques dans les pays européens, la participation des femmes dans les parlements européens, au moyen, ça ne dépasse pas 19%. Seulement le pays qui fait l'exception, c'est Suède. La Suède, c'est à peu près 40%, c'est 39% et poussière. Alors nous avons adopté le quota par sexe, 40%. Ça veut dire que la participation de la femme dans toutes les assemblées, les conseils municipaux, les conseils du quartier ne doit pas être moins de 40%. Elle peut être plus, mais pas moins. Alors nous avons également, je dis nous, parce que les organisations des femmes qui travaillent dans notre région depuis longtemps et surtout à l'initiative de mon parti, c'est l'Union des stars des femmes. Nous avons adopté la suppression de la polygamie, l'égalité de la femme et de l'homme dans l'héritage, l'égalité dans le témoignage, aucune référence confessionnelle ou nationaliste dans ces instances administratives. Tout a été mis en place avec le partenariat avec toutes les forces qui existent dans cette région. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Ce n'est pas facile d'appliquer du jour au lendemain l'égalité entre l'homme et la femme dans une société, je ne dis pas archaïque, mais quand même c'est traditionnel et depuis longtemps c'est très vraiment difficile. Alors lorsque le mariage civil pour la première fois a été célébré, mais c'est vrai, on a fait face à une opposition très forte, mais quand même, il fallait commencer un jour. Il fallait commencer parce que nos filles n'accepteront plus d'être traitées comme une chose. C'est une personne, elles doivent à la société d'être un membre actif, mais la société aussi leur doit d'assurer des conditions d'égalité. Alors, dans l'école, en réalité, comme je dis, comme il y avait des difficultés pour faire l'égalité entre l'homme et la femme, nous avons prévu de faire les unités de protection de la femme. Déjà, on avait prévu, c'était pour empêcher les crimes, ce qu'on dit, oh non, je ne sais pas si c'est honneur ou des honneurs. Donc, ces unités, petit à petit, elles sont devenues des unités spécialisées. Et lorsque nous avons été attaqués par les terroristes soutenus par l'État turc, il a peur toujours de notre exemple démocratique, et je vais vous dire pourquoi. Donc lorsqu'on était attaqué par les terroristes, surtout au mois de novembre 2012, les unités de la protection des femmes, comme les unités de protection du peuple qui sont composées des garçons, ils tout de suite sont transformés en corps d'armée. Leur commandement, elle a commencé à faire des stages particuliers pour ça, et actuellement deux corps d'armée qui protègent ce territoire qui est à peu près trois fois plus grand que le Liban, c'est 30 000 km². Donc regardez en Turquie, avant les dernières élections municipales, sur 2700, je ne sais pas combien de municipalités, imaginez-vous combien de municipalités sont étaient gérées par une femme. Seulement 18. Sur les 18, 14 femmes kurdes, il restait 4 femmes kurdes qui géraient les municipalités. Mais bien sûr, la Turquie ne va pas lui plaire de voir sur ses frontières la femme est égale, ou au moins elle essaye d'être traitée à l'égalité avec l'homme. Ça ne va pas lui plaire de voir les rescapés des massacres arméniens qui vivent avec les rescapés des massacres arméniens perpétrés par l'État turc. Ils peuvent vivre avec les assyriens que bien autres rescapés des massacres perpétrés par l'État turc, et surtout avec les Kurdes qui toujours souffrent de la négation de leur existence, de l'existence de 20 millions de Kurdes en Turquie. Alors pas seulement ça, regardez, on dit la Turquie République laïque, d'ailleurs ce n'est pas la République, revenez à la,
définition de la République. Je ne sais pas si c'est une République. Et deuxièmement aussi, il est laïc. Depuis la création de déclaration de cette République 1923, ben imaginez-vous combien de chrétiens ont pu siéger au Parlement de cet État laïc avant les dernières élections législatives. Zéro. Zéro. C'est seulement les dernières élections législatives, le parti kurde, parce que c'est interdit de créer un parti kurde en Turquie, ils ont présenté la candidature d'un ami syrien, de confession chrétienne, dans une commune en majorité à 95% kurde. Et ils ont appelé à voter pour lui. Ils ont dit ça, c'est le candidat des kurdes. Et grâce à la population des votes de ce parti kurde, que nous avons pu casser cette règle que actuellement il y a un député de confession finalement chrétienne qui siège au Parlement turc. Alors l'État turc, c'est pas seulement contre parce qu'il est contre les Kurdes qui existent sous sa domination en Turquie, mais comme je dis, surtout le modèle démocratique qui est mis en place, mis en œuvre, comme je dis, avec des difficultés bien sûr, mais c'est un début et c'est ça qui lui fait peur surtout. Et comme aussi c'est un parti, le parti qui est au pouvoir, c'est le parti islamiste, et il sait qu'on ne peut pas être islamiste dans une société multiconfessionnelle comme notre société. Et comme un diplomate suisse me disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Vous n'êtes pas arabe et vous n'êtes pas de bons musulmans, alors, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, vous savez, l'État turc, au début, il disait PYD est lié avec PKK. PKK est terroriste. Alors, écoutez, Thibault, bon. PYD, c'est l'allié de PKK. Et donc, PKK est terroriste. Et PYD aussi, c'est terroriste. On a vu, qu'est-ce qui est terroriste? Monsieur Erdogan, qui est impliqué jusqu'à maintenant dans le terrorisme, aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour que vous soyez au courant, aujourd'hui, 6h du matin, ben les terroristes de Daesh, ils ont attaqué la ville de Kobané à partir de territoire turc. Et jusqu'à maintenant, les combats continuent. Et du territoire turc, je dis, et le silo qui est sur son territoire, qui est loin des frontières, 150 mètres, et c'est un point de concentration des terroristes, et nous disposons des vidéos qui prouvent l'implication du gouvernement turc, des autorités turques, dans l'attaque des terroristes aujourd'hui, actuellement, avant de venir ici, toujours on suivait encore les combats. Mais, alors, lorsque, à l'Occident, alors qu'à l'Occident, on dit qu'ils sont des alliés de PKK, et PKK est terroriste, on a vu le gouvernement turc qui est impliqué dans le terrorisme, alors que PKK, il se bat contre qui maintenant? C'est les forces de PKK qui se battent contre Daesh en Irak. Lorsque le gouvernement fédéral kurde de région du Kurdistan irakien a été attaqué par Daesh, il a demandé au gouvernement turc, ben bien sûr, le gouvernement turc ne va pas aller combattre à côté des Kurdes contre les terroristes, parce qu'il est lié aux terroristes. Et la preuve aussi, il n'avait pas signé la déclaration de Jeddah lorsque la coalition contre Daesh a été créée. Et qu'est-ce qui est allé au secours des Kurdes irakiens? Lorsque les Yézidis ils étaient attaqués, qu'est-ce qui est allé se battre contre les terroristes de Daesh? Ben, ça, c'est seulement les forces de PYK et les unités de protection du peuple et les unités de protection de la femme de notre région qui sont allées se battre contre Daesh et ouvrir un corridor humanitaire. Et pour les Arabes, l'État turc dit quoi? Et en Occident aussi. Elle dit, écoutez, les unités de protection du peuple et les unités de protection de la femme, ils n'attaquent pas le régime.
Et donc, ce sont des collaborateurs. Parce qu'il attaque. Alors, on ne sait pas. Lorsqu'on prend des armes pour se défendre, ils nous traitent de terroristes. Lorsqu'on n'attaque pas, on est collaborateur. Mais vous savez, un ministre turc disait, le meilleur kurde, c'est celui qui est dans les cimetières. Mais il se trompe. Et il se trompe parce que nos filles et nos garçons n'accepteront jamais de redevenir des esclaves, soit des islamistes ou des racistes. Alors, parfois aussi, ils réduisent votre expérience et disent, oui, mais en réalité, c'est le Bangladesh qui dirige ce territoire. Et les unités de protection du peuple et les unités de protection de la femme sont les bras armés de ce parti politique. En réalité, ce n'est pas un parti politique. Et c'est archi-faux, c'est une humiliation, c'est une insulte de nos partenaires. Parce que cette administration, quand même, il y a 38 organisations qui participent à cette administration. Et puis les unités de protection du peuple et les unités de protection de la femme sont composées des jeunes filles et des garçons de toutes les communautés. Il y a même des unités à majorité arabe, il y a des unités à majorité syro-chrétienne, de confession chrétienne, et il y a bien sûr des unités à majorité kurdes. On ne peut pas dire quand même que ces combattants, ces militants arabes qui sont des militants kurdes ou PKK, comme l'État turc prétend, on ne peut pas dire que le conseil militaire syriaque qui travaille avec les unités de protection du peuple et sous le commandement des unités de protection du peuple, qu'elles sont des Kurdes, ce ne sont pas des Kurdes, ce sont des chrétiens. À nous, la reconnaissance de la pluralité, la reconnaissance l'égalité en nos devoirs et nos obligations, ça, c'est la règle. Alors, j'étais un peu long pour dire, alors, pour l'État turc, fait tout pour que cette expérience échoue et pour qu'il mette la main sur ces territoires. Et sous prétexte, il dit, couloir sécurisé, zone tampon, et on va installer des réfugiés. Mais les réfugiés, tous les experts savent, même avant le déclenchement du mouvement de la contestation, déjà le gouvernement turc il avait préparé des tentes et des camps de réfugiés. Il a donné de faux espoirs à la population syrienne, il les a incités à prendre les armes, bien sûr, il récolte les conséquences de sa politique. Regardez par exemple à Kobané. La nuit 15-16 septembre, il a fourni de la munition et de l'armement aux terroristes de Daesh avec un train bourré, chargé, et ce train s'est arrêté juste avant Tel Aviv pour que les terroristes déchargent. La nuit du 18, 5 blindés ont participé pour casser notre première ligne de défense. Et j'ai cité Tel Aviv. Mais Tel Aviv est occupé par qui? Des Daesh? Personne n'en parle dans les médias. Et depuis quand? Depuis plus d'un an. Et qui est-ce qui les traite? Quelle autorité officielle? C'est l'État turc. Les prisonniers de Daesh, les terroristes qui sont pris en prisonnier par nos filles et nos garçons, ils trouvent sur eux des documents tamponnés par l'État turc. Ils traitent comme vraiment autorité officielle à la place de l'autorité de l'État syrien. Et bien sûr, c'est le passage des terroristes, des trafics de pétrole. D'où est-ce que Daesh, il pouvait vivre et faire fonctionner ces actions terroristes, et surtout au début, c'était parce que l'État turc traitait avec cette organisation, elle traite toujours de bonnes relations au détriment des intérêts de tous les peuples du Moyen-Orient. Parce que Daesh, c'est pas seulement l'ennemi des Kurdes, ni l'ennemi de la population de cette région, voire elle est l'ennemi de toutes les communautés en Syrie, de tous les peuples du Moyen-Orient, voire elle est l'ennemi de l'humanité. Et c'est pour cela, lorsque la coalition
anti-Daesh a été créé, ben, nous avons eu un soulagement et puis nous avons eu un espoir pour, nous avons dit depuis à peu près 2 ans, nous on se bat contre les terroristes. Donc certainement, voilà, 40 pays, des grandes puissances, ben, on va pouvoir réduire, si on ne peut pas dire exterminer, ces terroristes. Malheureusement, les frappes, c'était très tardif. Une fois que les terroristes équipés de l'armement lourd récupéré de l'armée syrienne ou de l'armée irakienne ont pu occuper tous les villages du canton de Kobané, ils sont arrivés à la ville, ils ont pénétré même dans certains quartiers de la ville, ben, les frappes venaient de vie beaucoup plus intenses, toujours pas suffisantes, mais ce n'est pas la solution. Nous avons dit toujours, nos filles ne manquent pas ni du courage, ni de l'expérience pour faire face à ces terroristes. Mais il faut que ces unités de protection de la femme et les unités de protection du peuple soient dotées d'un armement efficace pour faire face à l'arsenal dont disposent ces terroristes. Sinon, lorsque à armes égales, tous les experts peuvent prouver, lorsque l'État turc il a ouvert ses frontières au mois de novembre 2012 pour les terroristes, pour que 1200 terroristes envahissent la ville de Salihkaniye à Sarayev. Elles ont vu comment nos filles et nos garçons ont pu les chasser de leur ville. Et celui qui était pressé à aller à son paradis imaginaire, parce que je dis imaginaire parce qu'il pensait apparemment que le paradis passe par la destruction des maisons, des Kurdes, de tous les Kurdes, les Assyriens, les Arméniens, les Tchétchènes qui sont dans la région de la Salihkaniye, celui qui croyait que le paradis passe là-bas, ben, nos filles, nos garçons, ils ont pu les expédier rapidement vers leur destination. Et lorsque c'était à l'âge égal, une nouvelle fois, ils ont attaqué le même canton de Kobané. Ils n'ont même pas pu occuper un village. Donc, il y a une force sur le terrain à assurer le travail pour vraiment, comme je dis, exterminer même les terroristes, à condition que devant le terrorisme international, il y ait une véritable solidarité internationale. Et cette solidarité, ça passe par une aide directe à ces deux corps d'armée qui se trouvent dans nos régions, pas via le territoire turc. Les Turcs sont impliqués dans le terrorisme. Monsieur Erdogan, c'est un voyou. Sinon, il ne devrait pas envoyer des terroristes pour tuer nos enfants, pour détruire nos maisons et pour rendre notre population exilé, et après il demande la mendicité. Il dit, oui, combien de réfugiés chez moi? Alors je supporte les chars de réfugiés. Mais vous-même qui envoyez les terroristes pour détruire nos maisons, pour détruire nos villages, et après, et bien sûr, la population, lorsque ils se réfugient là-bas, vous pleurez sur leur sort. Désolé, j'étais un peu long avec l'émotion, parce que toute la nuit j'étais en contact avec le chef d'état-major qui est une femme, un fils qui n'a même pas eu à cause ses 40 ans. Et elle se bat depuis le 15 septembre jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas combien d'heures s'il peut arriver à dormir. Et ce matin, encore la nuit, il n'y avait rien. Ce matin à 6 heures, voilà, l'état turc, comme il a trouvé que c'était cette résistance invincible. Ils ne peuvent pas occuper la ville de Kobané. Donc, ce matin, une action directe, une implication directe de l'État turc, encore à côté des terroristes. Et c'est pour cela que j'étais un peu peut-être ému et je me suis laissé emporter. Désolé, et une nouvelle fois, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous remercie.